J'aimerais te parler dans cette vidéo de comment on va faire pour avoir de l'électricité donc sur ton tournage, que ce soit un tournage clip ou que ce soit un tournage autre même que le clip. Je vais te montrer trois façons d'avoir de l'électricité. Il y en a une où tu vas voir, ça sera directement juste des batteries Velox pour pouvoir éclairer avec les LED, donc ça sera que vraiment pour la lumière. Mais par contre, les deux autres façons de pouvoir avoir l'électricité, tu vas voir que tu pourrais brancher plusieurs autres choses. C'est vraiment ce que je te conseille d'avoir ces trois sources électriques. Ça va t'aider que tu sois en voiture. Bon, moi j'ai un camion. Donc c'est fait pour, mais en tout cas, tu vas voir que même si tu es en voiture, ça va être assez pratique. Alors la première source pour avoir donc de l'électricité qui est assez banale, on va dire, qu'on voit en général sur les tournages, donc c'est un groupe électrogène. Alors moi, j'ai un groupe électrogène Honda silencieux, donc comme ça. Bon, il est un petit peu lourd. En gros, c'est vraiment un groupe électrogène qui est vraiment pas mal, puisque en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, il est silencieux. Bon, là, tu peux tirer jusqu'à 1000 watts d'électricité, donc tu peux mettre une machine à fumer par exemple. Bon, ça sera qu'une machine à fumer. Tu vas pouvoir brancher pas mal de choses, donc des néons, même tes LED si tu n'as pas de Velox. Et donc ça pour moi c'est quelque chose quand même qu'il faut avoir, c'est assez important, puisque que tu sois en voiture ou autre, ça va être important. Sachant qu'en plus, ce qui est intéressant sur celui-là, c'est comme je te dis, c'est qu'il est silencieux et il est assez facile, donc tu le ranges vraiment facilement. En gros, quand tu le fais marcher, donc c'est assez facile, tu as un bouton ici et un bouton là. Et tu as juste à tirer. Donc tu vois, c'est assez facile. Tu as deux modes. Donc là, c'est le mode vraiment plus bas et le mode plus rapide. Voilà. Donc voilà. Donc tu vois, groupe électrogène, ça fait vraiment l'affaire. C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir quand même en tournage. Comme je te disais, tu peux le mettre dans un coffre de voiture. Quand tu vas tourner dans un endroit, par exemple, où il y a du voisinage à côté, ce qui est bien, c'est que celui-là, il est silencieux. Donc ce que tu peux faire, c'est que moi, c'est ce que je fais en général, c'est que tu vas le mettre beaucoup plus loin et tu vas avoir donc un enrouleur. Donc un enrouleur où tu vas pouvoir être plus loin et donc ça va être cool. Ce qui est assez bien aussi sur celui-là, c'est que je peux brancher donc une machine à café, je peux brancher du thé. Des fois pour les tournages, mais en général, les gens ils kiffent quand même quand tu leur fais un thé ou un café et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose, c'est des petites choses comme ça qui sont quand même assez importantes. Ça, sur les tournages, quand il y a plusieurs personnes, bah, ça fait comme une petite régie, donc c'est quand même assez intéressant. Donc comme je te disais, moi j'ai un camion pour ça, mais après, toi tu peux très bien avoir voilà, une voiture, même simple, même une Twingo, une petite voiture. C'est bien parce que ça prend pas beaucoup de place et donc tu vas pouvoir faire rentrer ça. Si tu rabats les sièges à l'arrière, tu vas pouvoir rentrer ça assez facilement. Donc je te conseille celui-là. Alors pour un groupe électrogène, je te conseille vraiment quelque chose de marque. Moi j'en ai testé plein. Donc j'ai eu des gros groupes électrogènes de marque allemande, mais franchement c'est vraiment un groupe électrogène qui est pas terrible. C'est un peu de la merde. Ça veut dire que en gros tu vas l'utiliser 3 ou 4 mois et au bout du 3e ou même 6 mois, tu vas commencer à vouloir essayer de le faire démarrer. Il ne démarrera pas parce qu'il va avoir un problème électronique. Et donc tu as des groupes électrogènes comme ça qui sont pas chers, qui sont puissants, mais en fait ça tient pas dans la durée. Donc vraiment je te conseille, c'est très important, d'avoir un groupe électrogène quand même de marque. Donc celui-là c'est un Honda. Je te mettrai le lien dans la description directement en bas, tu regarderas. Mais en tout cas, ce qui va être cool, alors évidemment il est un petit peu plus cher, mais par contre dans le temps, il va vraiment durer, tu n'auras jamais de problème. Moi ça fait déjà 4 ans que je l'ai et franchement j'ai jamais eu un seul problème, il ne m'a jamais fait galérer. Par contre, on a eu. Quand je tournais sur Paris, pas mal de clips, on a eu plusieurs groupes électrogènes qu'on a testés, donc c'était souvent les mêmes et en général, ils duraient 2-3 mois. Tu faisais deux tournages avec et après, il fallait faire des raccordements électriques pour que ça marche. Si tu trouves d'autres groupes électrogènes silencieux dans le même genre, c'est cool. Regarde, tu peux regarder d'occasion aussi, mais je te conseillerais quand même de le prendre en neuf, comme ça au moins tu es tranquille. Tu as une garantie et en plus, ça va durer un petit peu. Ensuite, une deuxième source donc, pour avoir de l'électricité. Alors là, tu vas être limité puisque ça va être que pour tes LED, donc ça va être batterie Velox, très important. C'est vraiment primordial d'avoir ça. Donc une batterie Velox, en fait, ça va te servir donc à mettre directement des RT LED. Ça va te servir donc forcément à des endroits où tu n'as pas d'électricité de pouvoir éclairer ben voilà, avec plusieurs LED. Tu as une petite partie avec un USB ici où tu vas pouvoir brancher bon, voilà, un téléphone ou des petites choses. Mais en tout cas, tu seras limité forcément quoi qu'il arrive. Tu vas pouvoir brancher des petites lumières donc en USB. Tu vas pouvoir donc, comme je te dis, mettre des RT LED. Tu ne vas pas pouvoir faire de système avec des machines à fumer et tout ça. Ça va être autre chose. Tu pourrais bricoler un système où tu as tes batteries Velox comme ça, avec une sortie, avec justement où tu peux brancher tes néons par exemple. Mais bon, ça va être un système un petit peu complexe pour rien. Tu le fais avec un groupe électrogène, c'est 100 fois mieux. Donc pour moi, ça va être bien donc pour éclairer forcément avec tes LED. C'est très important de les avoir. Tu verras que souvent quand tu fais un clip un petit peu dans le speed, c'est toujours intéressant d'aller dans un lieu comme ça qui est dans le noir et tu prends tes LED, tu prends 2-3 LED, tu les éclaires et tu éclaires le lieu et puis c'est parti. Donc tu n'as pas besoin de te faire trop chier, ça fait pas de bruit en plus en général. Même si tu tournes dans un lieu où il y a du voisinage à côté ou quoi, si tu veux aller vite, que ce soit même dans un quartier par exemple, si tu tournes en dessous de chez quelqu'un quand il fait nuit, enfin que c'est tard ou autre, ça veut dire que tu sortais
tes LED donc avec les Velox et tu peux enchaîner ça rapidement. Donc pour moi les Velox c'est quand même assez important. Donc pour moi les deux, que ça soit donc le groupe électrogène plus les Velox, c'est quelque chose qu'il faut avoir obligatoirement, à avoir forcément une source d'énergie dans une durée qui va être longue quand tu vas pouvoir faire tes tournages. Donc vraiment groupe électrogène et Velox, c'est vraiment quelque chose à avoir. Alors ensuite, troisième façon d'avoir l'électricité, alors ça c'est pas obligatoire mais c'est quand même bien à avoir toujours en secours, ça va être du coup avec une batterie de voiture. Donc alors moi j'ai une grosse batterie, donc c'est une batterie de camion que j'ai récupérée, donc j'ai un mécano qui me l'a revendu à rien à 10 €. Et donc tu vas le brancher directement avec un convertisseur. Donc convertisseur, on va dire au minimum de 1000 watts ou de 1500 watts. Donc moi je l'ai directement pour avoir l'électricité dans mon camion. Et là donc c'est vrai que ce qui est assez intéressant avec ça, c'est que pareil encore une fois, si tu veux brancher des néons dans des endroits où tu ne veux pas faire trop de bruit, ça veut dire que par exemple moi je vais me garer donc dans un parking, peu importe. Et donc là je vais pouvoir tirer l'enrouleur, je vais pouvoir me brancher directement sur mon convertisseur et là je vais pouvoir mettre des néons au sol, puisque les néons ça ne consomme pas trop, puisque ça va être entre 20 et 40 watts. Et donc moi j'ai quand même de la puissance, donc ça peut monter jusqu'à 1500 watts. Évidemment si tu mets une machine à fumer ou quelque chose de puissant, bah, ça va bouffer la batterie, une bonne partie. Je te conseille de pas le mettre directement sur la batterie de ta voiture, parce que sinon ça va vraiment pomper ta batterie, même si elle se recharge un petit peu, vaut mieux avoir une deuxième batterie externe, un petit peu les systèmes comme les camping-cars. Alors moi cette batterie-là, elle n'est pas rechargée. Le mieux ça aurait été avec un panneau solaire par exemple pour la recharger, mais après moi je la recharge chez moi. Mais c'est vrai que quand elle est vraiment rechargée avec un chargeur de batterie, ça va me durer longtemps. En général ça me dure à peu près un mois. Alors après effectivement comme je te dis, c'est que il faut pas mettre des trucs trop puissants. C'est-à-dire par exemple si tu mets une machine à fumer, tu vas le mettre avec le groupe électrogène, tu vas l'utiliser par exemple, parce qu'une machine à fumer ça va faire à peu près 1000 watts dans la puissance, donc ça tu vas l'utiliser que avec le groupe électrogène. Ensuite tes LED tu vas les mettre donc sur les Velox. Et ensuite, par exemple, tes néons, comme tu vas plus avoir de place sur ton groupe électrogène qui aura pris toute la puissance, tu vas le brancher avec ça. Donc ça fait vraiment, il faut vraiment répartir l'électricité en gros par rapport à l'énergie que tu as et à ce que tu vas faire. Donc vraiment, l'énergie que tu veux avoir pour pouvoir brancher toutes les choses que tu as, ça va être vraiment en rapport avec ce que tu fais en général, tu vois. Donc par exemple, ben moi, imaginons, bon, j'ai 4 batteries sur mon Panasonic GH5, c'est largement suffisant pour les tournages, mais imaginons que j'ai pas assez de batterie et qu'à un moment donné, j'ai plus de batterie, que ce soit ça, ou même sur mon DJI Mavic, donc sur mon drone, ah ben ce qui est intéressant, c'est que justement avec cette source-là d'électricité que j'ai à l'intérieur, je vais pouvoir recharger peut-être ma manette, je vais pouvoir charger une batterie de drone, je vais pouvoir recharger une batterie de GH5. Et là, ça va être cool parce que même quand le camion il est à l'arrêt, il n'y a pas de souci, tu peux le laisser. Donc ça, c'est assez intéressant sur ça. Quand tu vas tourner, ça va vraiment dépendre de chacun en fonction de ce que tu fais. Si tu fais juste des tournages comme ça avec tes deux LED et que tu n'as pas besoin de machine à fumer, tu n'as pas besoin de néon, je te dirais, bon, ben, prends que les Velox et ça te suffira largement. Maintenant, si tu as besoin de mettre beaucoup plus de choses, ça va être réparti, donc un petit peu comme là. Donc c'est-à-dire par exemple tu ne mettras pas toute l'énergie que sur le groupe électrogène, à part si évidemment tu ne mets pas ta machine à fumer qui consommera 1000 watts et que tu mets que des petites choses qui font à peu près 50 watts, 40 watts, 100 watts. Là tu pourras brancher plusieurs choses sur le groupe électrogène. Et pareil donc pour la source d'énergie que je t'explique. En gros ça va être pareil aussi. Si justement tu veux regarder un petit peu plus en détail, si tu veux voir comment j'ai bricolé donc cette histoire de batterie avec un convertisseur, tu peux regarder dans cette vidéo directement, donc je vous montre un petit peu plus. Comme ça tu verras plus précisément voilà toutes les petites choses à faire, mais c'est vraiment très simple. Je te conseille encore une fois, si tu dois prendre un convertisseur, prends un convertisseur de bonne qualité. Donc ça va être un convertisseur pur sinus, parce que tu as plusieurs choses, donc tu as onde modifiée et tu as pur sinus, donc ça c'est important, c'est au niveau de l'électricité pour pas éclater ton matériel quand tu vas brancher des choses dessus. Donc vraiment pur sinus, pareil encore une fois, le convertisseur prend quelque chose de bonne qualité, moi j'en ai essayé plein, c'est pas terrible, ça tient pas dans le temps et ça risque d'éclater ton matériel quand tu vas charger quelque chose. Donc tu regarderas directement dans cette vidéo si tu veux aller plus loin justement sur ce système là. En tout cas voilà, je voulais te présenter trois façons d'avoir d'énergie donc quand tu vas faire tes tournages, que ça soit en clip ou autre. N'oublie pas aussi que des fois sur des lieux de tournage, tu peux toujours avoir une prise électrique qui traîne quelque part. Tu vérifies là où les voitures se branchent, donc les voitures électriques. Et donc des fois, tu as des surprises, tu peux avoir une source électrique à côté d'un lieu de tournage. Donc vérifie bien toujours qu'il y a une prise qui traîne quelque part. Si ça t'intéresse, tu peux regarder toutes les vidéos qui sont en dessous. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne donc si tu veux recevoir les prochaines vidéos. Et donc je te dis à bientôt.